Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live de l'Epicness sur Tales of Phantasia. Bonsoir. Voilà, désolé pour le retard, hein, on a un petit quart d'heure de retard malheureusement. Pour ceux qui étaient sur Twitter, bien sûr, vous avez pu le voir, je vous l'ai annoncé il y a environ une heure. Une heure, un peu plus d'une heure, disons. Voilà, et pour les autres, bah, malheureusement, vous êtes arrivés en avance, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous avez eu le temps de vous détendre. Petit impondérable. Vous pouvez pas trop être prévu. La définition même de l'impondérable. Et donc, ce soir, on continue notre partie. Nous sommes toujours dans la galerie Morla. Et chose qui est fantastique, c'est qu'on n'a plus normalement qu'à remonter toute la galerie Morla. Voilà, voilà. Et il y a des ennemis. D'accord, très bien. J'ai clairement pas envie de me taper les ennemis. Chiotte. On se le tape quand même. Sachant que là, je dois avoir le cimetière de gel, ce qui fait que je ferai aucun dégât à ces saletés. Thunderblade. Je vais juste attendre que, voilà, ils meurent dans leur chiasse une fois que Clark aura invoqué toutes les magies du monde. Voilà, si tu pouvais invoquer Maxwell, ça m'arrangerait. Oui, Fritz, c'est bien aussi. Non, 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 mais c'est très bien. Bon, c'est un peu overkill, mais c'est pas mal. Ok, très bien. Et Class gagne un level, en plus. Donc, bon, parfait. Et donc, je suis ici. Alors, objet, on va prendre... Il y a un objet spécial, justement, pour... pas se taper tous les ennemis du monde. Tous les ennemis du monde. Voilà. Je sais plus où c'est. Bordel. Il y a trop de trucs dans cet inventaire. Des cailloux. On a plein de cailloux. Une quinzaine de cailloux. Paf, 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 paf. Flacon, sac. Voilà. Ok. Très bien. Je me sens protégé. Ouh, je me sens protégé. Et donc du coup, je peux remonter en toute sécurité. Je suis en train de faire de la merde là, non? Je croyais que j'étais protégé, bordel de merde. C'est quoi ce flacon de sacre qui reste 2 secondes? Non mais si c'est pour juste être protégé 3 secondes... Ok, mais ça vaut pas trop le coup. On se casse. Donc non, ça vaut rien. Voilà, on est censé être protégé, mais apparemment... Alors, non, il y a moyen, bordel. Il y a un endroit, normalement, pour tout remonter, sans se faire chier. Monter sans se faire chier, donc... Non, il n'y a pas ça. Il me semblait qu'il y avait ça. Oui, bah arrête de consommer ta magie, on s'en fout de... Ils ont trop de vie, ces machins. Oui, donc normalement, il y a un truc hein, pour... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Par contre, tactique, on va faire ça. Non, il n'y avait pas ça. Il me semblait qu'il y avait ça. Hein. Là, ici. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. On se casse. On se casse d'ici, bordel de merde. Voilà, donc j'ai marché sur des pics pour rien. Je me fais attaquer tous les 3 mètres.
Quand je sortirai d'ici, j'atomiserai cette grotte. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Foutez-moi la paix. Ah, mais... Il y a des ennemis tous les 2 mètres, tu sais. Attends, s'il y avait des ennemis... Oh, fuck. S'il y avait des ennemis tous les 2 mètres, je veux dire, je les verrais en toute logique et ça devrait vous grouiller. Voilà, on se casse. On se casse, oui, on se casse. On se casse. Je ne vais pas affronter tous les ennemis de la Terre, bordel de chiottes. Non, 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 non. Allez, barre-toi, voilà. Enfin, c'est plutôt moi qui me barre, mais... C'est pareil, c'est la même chose. Donc en fait, non, il faut bien repasser dans le... Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire pour faire de la merde. Fallait rester appuyé sur le bouton... Parce que je suis un gros con et que je regarde pas ma manette. Et aussi que je savais pas qu'il y avait des combats tous les 2 mètres. Voilà, et on se tire d'ici. Voilà, ça y est. Toc. Arrêtez de me faire chier. Voilà, voilà. J'ai plus de phrases. Et pourquoi je chante par-dessus cette musique, je ne sais pas. À vous de me le dire. Parce que peut-être à force de l'entendre... Voilà, je me prends tous les dégâts du monde. Foutez-moi la paix. Vous avez rien demandé. Non, 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 non. Voilà, lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais me casser. Ah fuck. Encore des calamars géants, bordel de merde. Oh putain, quoi, on n'a pas le temps de se barrer. Le truc, il balance déjà des sortilèges, quoi. C'est un truc de fou. Ah, ouais, on va être obligé de passer par là. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, oui, lâchez-moi. Je déteste ces cavernes à la con qui me font perdre mon temps. Et le vôtre par la même occasion. Ouais, c'est sa tornade de gel. Ça va parce que Klaars absorbe le gel. Ah oui, non mais d'accord, ok. Parce qu'en plus de ça, faut se retaper les pics. Oh là 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 là, c'est le merdier. C'est le merdier. Je déteste cette grotte. Je la déteste. Je vais acheter une bombe nucléaire et je vais atomiser ce trou à la con. Une fois que j'en serai sorti, comme ça plus personne n'aura à subir cet enfer. On se fait vraiment agresser tous les 2 mètres, on se croirait dans le métro parisien. Bah ça doit être ça en fait, c'est le métro parisien mais avant qu'il soit construit. C'est ça, c'est la même chose en fait, il y a une espèce d'esprit maléfique.
Voilà, alors... Oh, j'avais pas vu, tiens, il y avait un trésor ici. Et un cake jaune. Le cake jaune, c'est un bâton de dynamite dans une tarte au citron, hein. Même pas besoin d'y foutre... Non, c'est même pas ça, c'est carrément de la nitroglycérine. En fait, c'est de la tarte à la, nitroglycérine. D'après ce que j'ai compris, hein. L'espèce de connard qui a eu l'idée de fabriquer une tarte à la nitroglycérine, faut qu'il se fasse soigner quand même. Voilà, tous les dégâts du monde. Merci. Ah, fait chier. Est-ce que je peux arriver à sauter par-dessus? Je suis même pas sûr que je peux sauter par-dessus. Non, je peux rien faire. Magie. Magie. Maxwell. Voilà. Oui, donc voilà. Et donc, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, voilà, donc merci, hein. Oui, voilà, donc je t'ai demandé de faire ça. Allez, voilà, crève. Crève, saleté. C'est vraiment de la saloperie, quoi, ces machins. C'est de la merde en bâton, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que je vais me pendre. Saloperie de jeu de merde. Puis donne-moi des cailloux aussi, je te dirai rien, quoi. Oh, le lot de consolation. Et ça, des cakes jaunes. Non mais, sérieusement? Vous êtes sérieux, là? Donc, je dois plus avoir de flacons de vie, bien sûr. Si, il m'en reste deux. Putain, va falloir que je fasse le plein. Oui, super, je vole. Ça ne sert à rien, mais je vole. Ouf. On va utiliser tous les flacons sacres du monde, je pense. Tous les flacons sacres du monde. J'en ai marre de vous trouver sur ma route, bordel de merde! Vous êtes super relou, vous êtes putain de relou, bordel de merde! Oh, c'est pas vrai, quoi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Putain, je veux juste me casser! Tiens! 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 Voilà! Je te spam! Je fais... je joue ma Sophitia dans... Dans Soul Calibur, premier du nom. Rappelez-vous ce jeu merveilleux sur Dreamcast, sorti uniquement d'ailleurs sur Dreamcast, il me semble. D'aucun se souviendra, bien sûr, de ce jeu fantastique. Qui a été la suite d'un jeu bien nommé Soul Blade. Voilà. Et du coup, on a dit tous les flacons sacres du monde. Charme, non, sacre, sacre, ils sont où? Là, lève-la, bordel. Voilà, j'en utilise un, allez, zou. Voilà, je suis en blanc là. Vous pouvez pas m'attaquer. Non, personne ne peut m'attaquer, foutez-moi le camp.
je veux pas le savoir. Non, non, barrez-vous. Barrez-vous, je veux pas le savoir. Oh, bordel. Voilà, alors, je vais te spammer la tronche. Voilà. Voilà, si tu réapparais, ça serait cool. Putain de salope. Salope, mais salope quoi, salope, espèce de salope. Crève. Il y a un espèce de recul quand quand les ennemis partent qui est ultra relou. Dégage, dégage. Je vais te spammer ta gueule, voilà. Non mais des cailloux quoi. Putain mais je vais pouvoir me construire. Eh, je vais me construire une maison en cobble. Voilà ce que je vais faire. Par où on se barre, c'est par là. Même avec un flacon sacré. En fait ils sont mais tellement nombreux que même avec une bénédiction de Jésus, je ne peux pas les esquiver. C'est un truc de malade. Même Jésus, même Dieu n'est pas capable, en fait, de les esquiver, quoi. C'est juste impossible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous en prendre plein votre mouille et prier pour que ça passe. Voilà pourquoi, en fait, sur Super Nintendo, il a pas vraiment perduré, sachant qu'il y a quand même eu des rééditions de ce jeu hein, qui ont été refaites. Et c'est pour ça qu'en fait sur Super Nintendo, ce jeu, il a été... Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, hein, quand même. Mais il y en a pas mal qui s'en sont plaints parce que... Voilà, rien que pour ça. Parce que en fait le jeu est trop aléatoire, il y a trop de trucs juste en fait dans l'équipe des devs il y avait un mec ou dans l'équipe des mecs qui font du brainstorming, il y avait un mec en fait qui avait que des idées de chiasse du style hey, on va mettre des ennemis qui deviennent invisibles et comme ça bah on ne pourra pas les toucher. Oui non mais dans l'idée c'est très bien. Voilà, mais sauf que au bout d'un moment faut peut-être que l'ennemi on puisse le retaper. C'est-à-dire faut qu'il y ait une stratégie pour le retaper derrière. Non parce que sinon dans l'ensemble on reste coincé comme des cons. Voilà et donc là ce random de merde ce soir c'est pour me punir d'être arrivé en retard. Voilà. Ah non mais c'est clairement ça. Ah putain. C'était pas par là. Bon alors attendez, du coup comme c'était pas par là, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais hop, on va le reset. Voilà, parce que ça fait déjà plus d'un quart d'heure. Hein, et voilà, quoi. Un quart d'heure dans le vent parce qu'on cherche une sortie là où bah, il n'y en a pas, clairement. Parce que là, ça va où? Ça va où? Oui, donc pour ceux qui se demandent, c'est normal, c'est un émulateur, ça, hein, ça sert un peu à ça aussi. Hein. Dans la vraie vie, j'aurais reset vraiment la console. Juste parce que, non, je veux pas perdre un quart d'heure de ma vie, en plus à revenir en arrière. C'est... voilà. C'est pas possible, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, on a dit par contre... un flacon de sacre, ça doit être quelque part par là. Alors, les voilà, voilà. Hop. Mais parce que j'ai pas envie de me faire attaquer tous les 2 mètres. Voilà, là on prend aucun dégât. On a réussi à passer. On se casse. On se casse, bordel de merde. Voilà, on va aussi changer la tactique de mes alliés qui consiste à simplement bourrer les techniques. D'ailleurs, ils bourrent jamais les bonnes techniques.
Alors, comme ils bourrent jamais les bonnes techniques, et bah voilà, ils font rien. Alors, c'est peut-être bien par là. Oui, c'était... Oui, 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 c'était par là, oui. Oui, donc du coup, voilà, c'est un peu de ma faute aussi, hein. J'ai été pas du tout dans la bonne direction. Voilà. Oui, 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 je veux sauvegarder. Oui, je veux... Oui, voilà. Et du coup, on peut remonter par là. Oui, aussi. Oui, oui, raccourci. Raccourci de la mort qui tue. Oh, oh. Oh, jeez. Yes. Oh, regardez ça. On a réussi à ça. On a passé 2 heures. 2 heures dans cette putain de grotte. On sort de la grotte en 20 secondes chrono. On est d'accord. Il y a pas un petit souci. Bon, clairement, non. À mon avis, ils ont dû se rendre compte aussi que... merde, quoi. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça 2 heures, puis rester 2 heures à remonter la grotte à la con. Non, ils ont fait un système pour qu'il y ait un raccourci et qu'on puisse se barrer vite fait. Même principe aujourd'hui sur certains jeux, genre... Imaginons Skyrim, lorsque vous faites un donjon, à la fin du donjon, un petit passage sacré, qui est un petit passage secret, pardon, pas sacré, mais d'ailleurs c'est un sacré passage secret. Voilà, petit jeu de mots, hein, petit jeu de motard, 21h40, donc petit passage secret qui vous emmène au début du donjon. Bah, même principe là, et pourtant c'était bien avant, donc vous voyez que c'est pas un truc qu'on a inventé récemment, ça, le passage secret qui vous ramène au début du donjon. C'est un truc vraiment qui existe depuis un certain temps déjà. Donc ça, c'est un port normalement, voilà, et ça m'emmène où ça? Alors, d'ailleurs, je sais plus où est-ce qu'on va. Je sais plus du tout où est-ce qu'on va. Peut-être à Alvanista. Oh, on va retourner à Alvanista. Parce que, honnêtement, on a passé trop de temps dans cette grotte. Même une course avec les gamins, avec les mioches, je m'en fous. Franchement, je vais prendre... Là, j'apprécie le soleil, j'apprécie la carte du monde. Voilà. Ouais, super. Ouais, la carte du monde. Voilà, tellement de bonheur, tellement de plaisir. Les oiseaux qui me sautent dessus, voilà, qui me font quasiment pas de dégâts parce que maintenant je suis surcheaté. C'est normal. C'est normal! Voilà, alors là par contre vous allez commencer à me faire chier. Oh, on va te faire foutre! Non mais dégage, saloperie de hibou de merde! Oh, mais bordel de merde! Mais foutez-moi le camp, saloperie de... Saloperie de zozio de merde! Mais barrez-vous! Non mais c'est pas vrai, ces machins de merde, là! Je viens de me faire harceler non-stop dans une grotte à la con. Et là, là c'est des hiboux qui viennent me péter les couilles. En soi. Oui, non, dégage. Saloperie de hibou, quoi. Ouais, vas-y, viens te battre, hein. Salope. Putain de... Hibou de merde. Dégage. Tiens, salope. Bordel. Les saloperies, toi. Alors, qui es-tu? Je crains que seuls les elfes puissent passer par ce chemin. Nous voulons entrer.
Bon bah ça n'a pas changé. Ok, donc c'est toujours pas par là qu'il faut aller. J'aurais cru, je me suis dit, tiens, voilà, au pire des cas, éventuellement, on pourrait passer par ici, mais non. Ah oui, d'accord, ok, ah oui, bien, d'accord, ok. Magie, Clarsa. Voilà, et là du coup on peut se tailler. À moins que... Alors là par contre ils prennent cher. Voilà. Alors quand on utilise les bonnes techniques ça marche bien. Hein. D'un coup... Voilà, donc là ils ont pris cher. Là cette fois-ci je me laisse plus faire, c'est fini. Le gentil virus il a disparu, hein, il a laissé place au méchant virus. Au méchant virus qui utilise des techniques D'accord, vous me faites zéro les mecs hein. Lui par contre il est relou. Voilà. Voilà, c'est pas des petits moustiques qui vont me faire chier. Oui! Retour en ville, oui! Oui! Ah! 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 J'ai tellement l'impression d'avoir fait. C'était la journée sans fin, quoi! Yeah! Donc je retourne au château, on verra bien. Éventuellement, peut-être que si j'en parle au roi ou de truc mèche mes couilles, il pourra faire quelque chose. Là, par ici, éventuellement. Alors, le roi Louis IV. Venez me rendre visite quelques fois. D'accord, c'est pas ça. Très bien. Je penserai à vous dans une de mes prières. Prie plus fort parce que franchement, on a besoin, là. On a besoin d'une bénée de la mort, là. On a besoin d'une bénée de ouf. D'accord, c'était pas par là. Très bien. Je me laisse distraire. Il faut dire que voilà, on a passé quand même un certain temps dans ce jeu. Alors, est-ce que ça serait par là des fois? Est-ce que ça serait lui? Oui, super, on s'en fout. Ok, très bien. Tu me les as déjà vendus la dernière fois. Je me suis demandé. Si tu pouvais pas me les vendre une deuxième, si tu pouvais pas me vendre d'autres sorts, mais apparemment non. Ouais, blablabla. Ok, d'accord. Si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une idée sur mon objectif, ça serait cool. Alors les amis, c'est pour ça un petit peu qu'on a inventé le livre de quête. Hein, récemment dans les jeux vidéo, on a eu les livres de quête. Parce qu'avant, il fallait se démerder. Il fallait noter sur un carnet hein, ce qu'il fallait faire. Et là, comme j'ai rien noté du tout et puis que je suis arrivé à l'arrache, eh ben du coup, je sais plus ce qu'il faut faire. Et donc du coup, je vais chercher. Et donc éventuellement, est-ce possible? Ok, donc ouais, on va retourner vite fait à Belladum, si ça se trouve c'est par là qu'il fallait que j'aille. Je sais que je dois aller parler à un mec, mais je me rappelle plus son nom, donc c'est là le problème. Voilà. Alors, et si on va donc à Belladum, éventuellement.
Tac. Ah, tac, tac, tac. Tabernacle. D'accord. Fuck. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Très bien. Oui, blablabla, ok. D'accord. Et donc... Très bien, donc c'était pas par là qu'il fallait que je sorte, parce que sinon je suis obligé de re-rentrer dans le village, bien sûr. Il y a sûrement un moyen, voilà, de sortir par ici. Oui, ça c'était quand même bien fait. Hein. C'était quand même bien foutu pour l'époque. Oui, bon alors là par contre, mes petits loups... Voilà, on va bien se marrer. Bon, vous me direz, c'est vrai qu'avec 40 points d'XP, on va pas chier loin. Mais ce qui est bien, c'est que ça va régénérer ma mana... Enfin, pas ma mana, enfin, mes points de technique. Oh bordel, je m'en sortirai pas. Oui mais non, on n'est pas encerclé, et puis regarde, ça se fait en deux coups d'épée, terminé, merci, au revoir. N'empêche, les loups, ils valent 20 points d'expérience. Non mais c'est violent, c'est ultra violent. J'imagine si j'étais tombé dessus au début, bordel. Hein. Avec une RNG de ouf, on peut tomber dessus quasiment à chaque fois, et donc du coup, gagner des levels, mais vitesse grand V, quoi. Pam pam pam. Est-ce que éventuellement ça serait par ici? Voici Euclide. Alors logiquement, il n'y a pas des personnes que je connais moi, Euclide, des fois que... Non, ça c'est la dame avec ses chats. Donc on s'en fout. Est-ce que des fois... Bon bah c'est la petite pause hein, Toutou ne serait content d'ailleurs. Est-ce que des fois ce serait par ici? Ah non, ça c'est la maison de Clarce. D'accord, ok, on est revenu là. Très bien. Je t'en prie, fais attention à toi Clarce. Je ne suis plus un enfant Miranda, tout ira bien. Ouais, je suis pas sûr, mais dans l'ensemble, oui, on va essayer de faire en sorte que ça aille bien. Donc parfait, donc c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Voilà, des petites mouches de merde. Voilà, je prends zéro dégâts, vas-y, vas-y, non, non, mais... Fais-toi plaise. Ah, par contre, pas d'à la con. Voilà, ça y est. Donc, peut-être ici. D'accord, donc le trésor qui était là, on l'a pris, ok. Comment a-t-elle grandi si vite? Ok, d'accord, bon, ça c'est pas lui qu'il fallait aller voir. Non mais je vais tous les faire en fait, hein. Vous inquiétez pas, on va vraiment chercher partout. Donc ici, il n'y a personne. Voilà. Comme ça, c'est fait. On aura parcouru 40 fois la map, mais au moins, voilà, on sera prêt pour le combat final. Ah, vous me direz, c'est vrai qu'avec les petits points d'XP de merde que je me fais, c'est pas ça qui va me... Donc, Venetia, éventuellement. Ok. Je pense pas que ce soit là. Ouais, ok, bien.
Ah, attendez, parce que... d'après moi... Tac, 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 tac... Il y a un autre personnage important. Non, pas ici. Mais ici, voilà, c'est ça. Sans doute, plutôt... Ça doit être plutôt par là. Oui, c'est lui, c'est ça. Ça doit être lui. Ok, non, c'était pas lui. Merde. On peut pas dire qu'on peut pas voyager à cause de la guerre. Bah, il a sûrement raison, ma grande. Et voilà, et je me retrouve encore coincé, je vais encore devoir aller regarder une Solus. Ah bordel! C'est pas vrai ça! Je me retrouve coincé à tous les lives, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et là ici, non? Arrêtez la drogue les enfants! Ouah, direct! Nanana. Ok. Pas être par là. Je pense que je suis pas non plus au bon endroit. Ça doit pas être par ici. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je pense que c'est pas à Venezia. Merde. Bon, je pense que c'était pas du tout à Venezia qu'il fallait aller. Et ça, ça va... Ça, ça va pas où est-ce que je veux, bien sûr. C'était l'autre. Ah, on en aura fait des voyages en bateau, hein. On pourra dire qu'on a le pied marin, je peux vous le dire. Bam, bam, bam. Pain, 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 pain. Donc pour ceux qui se demandent quand est-ce que je fais les lives méga structure, alors j'ai prévu éventuellement d'en faire un demain, possiblement, j'ai dit, hein, pas sûr, pas sûr. Mais on verra ça. Possible. Bah attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Freeland. Je suis quasiment certain qu'il faut aller à... Ah, ou dans la guilde machin chose, là. Non? Non, les guildes des aventuriers. Donc je disais, oui, voilà, pour les lives méga structure. Peut-être demain, mais comme je suis pas sûr, je préfère... Je vous tiendrai de toute façon au courant sur Twitter. Pour tous ceux qui suivent le live, là, vous avez déjà mon Twitter. Les autres, simple comme bonjour, allez sur Twitter et cherchez virus.gf. Voilà. Château d'Albanista, on s'en fout. Est-ce que ça serait par ici? Non, c'est pas du tout ici qu'il faut aller. Où est-ce que c'est? Il faut une fois aller à la taverne. Et qu'est-ce qu'il fout là, ce vieux là? Est-ce qu'on peut y aller? Apparemment oui. On va aller le voir. Voilà. Le nord signifie la mort. Souviens-toi de cela.
Ok, waouh. Alors si vous vous souvenez, dans le live précédent, donc quand on a organisé les 4 divinités, en fait, bon j'ai supposé que la naissance c'était le feu, mais donc du coup ça pouvait être en haut. Et voilà, et donc du coup on me dit le nord ça signifie la mort, et donc du coup en fait, oui non, bah non, finalement je raconte de la merde. Est-ce que le nord, normalement, ça devrait être l'eau, en toute logique? Oui, non, c'était pas logique. C'est pas grave. Mais bref, en gros, ce que il m'aurait dit la mort, enfin, la mort signifie le sud. Ou le sud signifie la mort, enfin, j'en sais rien. Mais ça aurait été plus cohérent avec, avec cette histoire. En plus, je pouvais y aller par là, d'accord? Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Je suis perdu. C'était ici. Oui, donc là, d'accord. Bon, c'est bien. Le nord, ça signifie la mort. Pourquoi pas? Peut-être parce que c'est des mitelles ou j'en sais rien. Alors, et ici, du coup? Nous avons notre propre joueur de piano chez nous. Nous sommes chanceux d'avoir Billy ici avec nous. Il nous rend si heureux. Ah bon, on peut écouter le mec jouer du piano? Eh ben écoute, je pense que ça fera une belle conclusion à ce live, parce qu'on arrive malheureusement vers la fin. On aura, mais alors, rien branlé. On sera sorti de la grotte et on aura cherché le mec. Du coup, je vais chercher la soluce pour lundi. Vous en faites pas. Hein, je vous prévois quelques petits trucs demain. Voilà, voilà. Oui, je sais, normalement, je ne bosse pas le lundi, le dimanche, mais voilà, j'ai pas mal de choses de prévues. Tenez-vous au courant demain, d'ailleurs, sur Twitter. Hein, je vous annoncerai sans doute quelques petites choses. Hein, je dois voir quelque chose justement pour un petit event IRL, donc à la rigueur, ceux qui sont prêts à bouger un petit peu ou qui habitent pas très très loin de cet événement pourront venir me voir en IRL s'ils le souhaitent. Mais je vous tiendrai au courant sur Twitter, voilà. Pour le moment, je n'en dis pas plus. Hey Billy, tu balances la pièce comme ça, vas-y. La pièce! Ah ouais. Effectivement, le mec, voilà. Ok, donc ils ont même prévu de composer une musique pour un mec qui joue du piano dans le jeu. Et en plus de ça, c'est complètement optionnel. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont créé une musique qu'on pourrait très bien ne carrément pas entendre du tout dans le jeu. Les mecs se sont juste complètement décarcassés le cul pour faire un putain de bon jeu, quoi. C'est dommage, en fait, qu'à l'époque, au niveau de la programmation, la RNG, on n'était pas, pas trop fort pour faire de la RNG... de la bonne RNG, je veux dire, de la RNG qui récompense de temps en temps. On faisait de la RNG un petit peu de chiotte. Et donc, voilà, on planquait, en gros... un super item parmi 99 et on avait 99% de chance de toucher de récupérer des cailloux. Voilà. Pas mauvais, hein. Nous le surnommons l'homme piano. D'accord, très bien. Parce qu'il a une interstice entre les dents. Voilà, les vrais comprendront la blague. Et du coup, on va aller sauvegarder, mais en tout cas, ça faisait une superbe conclusion à ce live. Hop, je vais
ici, sauvegarder. Voilà, on enregistre notre délicieuse sauvegarde. Je vous remercie d'avoir suivi ce live sur Tales of Phantasia. Je vous donne rendez-vous lundi. Tenez-vous au courant sur Twitter demain. Demain, il y aura également sans doute quelque chose sur... en tout cas, il y aura du Duke Nukem 3D sur ma chaîne YouTube. Voilà, il y aura peut-être un petit quelque chose, je vous en dis pas plus, vous le verrez vous-même. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et surtout, hashtag amour viril. Yeah.